Mes quotas. Mes quotas où? Partager deuxième partie. Deuxième partie, c'est moi. Bipez-moi Flore brésilien. 18 ans de main sans mettre les pieds au Cameroun. Elle est seulement allée se marrer. Bipez-moi Flore brésilien, s'il vous plaît. Mes quotas. Flore brésilien. Flore brésilien, bipez-moi la femme de Fingon. Tu es sa femme, tu montes, tu descends. Mettez son artiste qu'elle a donné. Flore brésilien, jusqu'à tu as doté ce qu'a fait le panier, il est malé. Le mariage n'a plus de valeur. Voilà les filles qui ont gâté l'affaire du mariage. Me voici assise ici, maman. Qui va alors m'épouser? Mieux, je reste avec ma mère. Yo! Non, je... Flore brésilien, voilà son gars qu'elle a épousé. Je vais prendre mon champagne. Flore brésilien. Yo! Adama. Voilà son... Sa star, là. Allez nourrir vos familles. J'ai pris sa moto, j'avais rentré chez soi. Hein? Donc ça cause la viande de Saint et une petite madame que tu me manques de respect. Mais moi, chiche. Tu me manges comme si tu avais le teignard. Tu me dis quoi? Voilà la star. Je suis sur la moto, c'est un bazar. Hein? C'est quand je m'arrive. Regarde ce risque. Ça me dit quoi ça? Ah, pardon, excuse-moi. Ça me dit quoi? Les amis vont faire les maisons, j'en suis. Toi, tu dépenses seulement pour une petite viande, tu me manques le respect. Pardon, laisse-moi dormir. C'est tout. Même l'angaki doit avec la ilagna ça. Comme si tu es chez toi. Tu es chez toi ici. C'est le cadeau. Tu as même fait le cadeau à une femme. Madame, je vais te parler de tes amis qui ont envoyé certaines choses à Fingon. S'il te plaît, ne me manque pas. Pardon, laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. C'est comment? Oh. Ma carte est toi. Ma mère est star camerounaise. Il fallait me prévenir, t'amener à la verrie. Pour ça, le sering, je n'avais pas de problème. Ne soyez pas bête. Ne donnez plus aux hommes les femmes. Ne donne mieux, tu donnes à ta famille. Il faut arrêter ça. C'est quoi? Je veux dormir, j'ai envie de dormir. Tu dors. Flore brésilien. Voilà ton investissement. Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas investir sur tes enfants. Dans ta famille. Voilà son investissement. C'est qui a tourné le clé. Je ne supporte plus les belles femmes de même. Je suis fatiguée de sensibiliser. Jamais. L'amour n'est pas pour ça, il a acheté l'amour. Ça tient sur les gigolos plus plus. Malade. C'est vous qui encouragez les gigolos. Si ça ne dépendait que de moi, tous les gigolos partaient travailler, maman. Ce n'est pas moi. Tu es malade. Tu as payé le. Oh la gnaque. Flore brésilien, tu as payé le mang. Payé jusqu'à mettre le cadeau. C'est qui t'a fait là, non? C'est petit. Mes chers frères et sœurs, je vais vous parler ce qui m'énerve dans l'histoire. Moi, ça me fait rire. Ça m'amuse. C'est une histoire criblée de jalousie. Mes chefs et sœurs, une fille qui a fait 18 ans sans aller au pays, elle n'a jamais mis ses pieds. Elle est là. Elle tourne ici. Mais le camo, c'est comme si on a mis son remède au feu. Elle a poum, qu'elle ne part pas. Elle se pointe seulement pour aller qu'on la dote à Bafang dans sa famille, alors qu'elle a une famille depuis. Elle n'a même pas côtoyé sa famille pendant 3 mois. Rien. Elle n'a pas fréquenté. Tu sais, quand tu pars en Beng, même si tu vas venir présenter un homme, essaie un peu de reprendre contact avec ta famille d'abord. Mes chers frères et sœurs, elle n'a pas pris contact avec ça. Elle n'a même pas... Non, elle est seulement venue rester 1 mois. Elle est rentrée. Elle s'est préparée pour aller se marier avec Fingon. Mes chers frères et sœurs, Fingon n'a même pas mis un centime dans le mariage. Rien. Voici ça. Voilà son costard qu'il a porté. Dans le costard que Fingon porte, on sent que... quand il partait de Belgique, il était très mince. Il est arrivé au pays, il a mangé, il a grossi. Voilà ça. J'avais même publié les photos.
Mais chef, c'est quand on regarde Fingon, on sent qu'il est back au pays jusqu'à il a commencé lui à bien manger là-bas. On a donc ya, non? Parce que quand tu vois le jour du mariage, les hommes, quand ils veulent quelque chose, les hommes, écoute, Flore brésilien, tu as mis que tu ne veux pas que cette femme, tu appelles qui cette femme? Moi, Flore de Lille, déjà, tu ne veux pas qu'elle parle de ton histoire. On t'a dit que quand une histoire est sur Facebook, tu as besoin de donner l'autorisation. Quand je parle même de ton histoire, c'est par respect pour toi. Tu es malade, toi. Toi, tu es qui pour me dire de ne pas parler dans ton histoire? Mais Kota, regardez la carrière d'un homme qui fait semblant. Tu sens qu'ils ne sont pas heureux ensemble. Regardez le sourire. Tu sens que le sourire du gars, il sourit que bientôt j'aurai mon Kaolo. Et la femme en train de sourire en disant que j'espère qu'il ne va pas découvrir que je ne suis pas belge. Tu vas seulement chou. Je vais seulement te chou. Je vais seulement te chou le pépé. Flore brésilien, quand tu te lèves, tu vas t'asseoir dans ta famille que tu as abandonnée depuis 18 ans. Tu es en train de manger la cola ici. Ça, c'est le jour de la dot à Bafan. Tu manges comme ça la cola, hein? Voici l'assiette. On vous a dit qu'on blague avec les ancêtres, tout ce qu'allait se doter. Là où elle est assise, là, même la cola, Fingon n'a rien eu. Il a dit que Fingon n'a rien investi dans le mariage. Mais Kota, le gars là n'a rien donné. Je vous dis que, n'est-ce pas, des fois, une femme peut être au co. Comme Fingon a dit que non, marions-nous, tout ça, je t'aime. Elle a dit que tu es sûr. Il a dit oui. Un gars qui n'a pas le kaolo, il va dire non. Et même si on a quoi au pays, quand tu as vécu en Beng, même si au pays tu es multimilliardaire, tu as envie d'avoir la possibilité au moins de venir ici, même pour 2 jours, tu rentres là-bas. Ça te fait du bien. Mais Kota, c'est elle qui est rentrée ici en Beng. Elle a fait jusqu'à acheter les habits des filles d'honneur. Hein? Jusqu'à faire le pain. Elle a aussi acheté sa robe pour porter. Mais Kota, elle a porté ça sur elle. Elle est allée se marier. Une femme épouse un homme. Quand on dit même que Fingon n'a rien donné. J'ai dit que Fingon n'a même pas donné même 100 francs pour le mariage. Même le taxi. Il a dit qu'il n'a pas. Quand un homme te dit que même le taxi, je n'ai pas. Alors qu'il a les amis qui ont les locations, tout ça. La fille devait comprendre que il a dit qu'il n'a rien. C'est elle qui a loué la salle. Elle a tout payé parce qu'elle voulait montrer à ses quotas qu'elle est mariée. Il y a les filles qui font ça, ça marche. Vous comprenez, non? Mais il faut aussi comprendre, on n'achète pas l'amour. Vemba, un multimilliardaire diamantaire, s'est marié. Ça a duré jour pour jour. On va dire 6 mois. Parce qu'il a tapé le salam 6 mois chez notre soeur au Cameroun. Il est resté 6 mois dans le mariage chez la femme. Après, il est venu en Beng. On a calculé entre le mariage Facebook et le mariage réel, ça a duré en tout 8 mois. Le mariage est fini. C'est votre soeur qui a aussi investi le tout. Francis n'a même pas. Il est venu au Cameroun avec 750 euros. Il était go tacle à Marseille. Il n'a rien eu. Il est go en Suisse. Ça ne donnait pas. Il est parti au Cameroun avec 750 euros. C'est tout ce qu'il avait comme capital. Mais c'est un benguis. Flore brésilien. Tu te maries avec quelqu'un comme Fingon. Même Seng, il n'a pas sorti. Il n'a même pas donné un centime. Tu es rentré, resté ici, il est là-bas. Tu es rentré, resté ici, il est resté là-bas. Il continue à gnasser les femmes. Partout, partout. Mais ce qui m'a fait mal, c'est parce qu'il a montré une femme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui qui a montré une femme. Toi-même, tu postes tes hommes avec qui tu sors. Voici ce que tu postes sur tes statuts. Parce qu'avant de dire qu'un homme a manqué le respect, vous savez, l'homme n'est pas comme une femme. Tu ne peux pas faire le bras de fer que, comme l'homme, le remède de l'homme, c'est vrai. Mais nous sommes des femmes. Une femme doit gagner sa dignité. Une femme comme Flore brésilien qui poste son gars. Son gars, c'est un Congolais. Le voici ici. C'est un Congolais. Voilà ça. Elle a posté. Donc, elle est gone. Ce sont ses copines qui ont envoyé. Elle a écrit fiancée. Tu viens nous rappeler que, parce que Fingon, tu as posté. Lui aussi, il a posté. Tu viens maintenant nous rappeler, parce que vous ne voyez pas ses statuts. Voilà ce qu'elle postait. Voilà son gars.
Elle a écrit mon fiancé. Entre elle est toujours mariée. Toi, tu viens lui rappeler qu'il est marié. Toi, voici non, Flore. Ce sont tes copines qui m'ont envoyé. Mon fiancé, c'est un Congolais. C'est un Boca. C'est un Boca. Ça, c'est Flore qui... Flore brésilien. Voici ton fiancé congolais que tu postes dans tous tes statuts. Comment lui aussi ne va pas mettre sa part? Vous jouez les deux le même jeu. Vous êtes tous pareils, vous deux. Tu as compris? Mais voici ça, non? Voici son gars. Elle écrit fiancé. Voici ça, non? Voici ça. Voici ça, non? C'est son snap. Elle poste ça depuis. Voici moi encore l'autre. Voilà son gars, il habite là-bas. Pardon, il est pas, il est bafan. C'est un gars bafan. C'est un gars bafan. Le voici, elle met ça sur ses statuts sur Snap. C'est un gars bafan, il habite là-bas. Dans sa maison. Une femme mariée. Mes chers et sœurs. Une femme mariée peut habiter dans la maison. Même si tu peux tromper ton homme. Il m'a fait, je le fais. C'est pas qu'il est au pays. Toi aussi, tu habites chez toi avec un homme. Vous le voici. Je suis désolée, hein, mon frère, de te montrer. Le voici. Voilà le gars qui vit avec elle. Elle écrit mon amour. C'est sur Snap. Ce sont ses statuts Snap. Elle joue les jeux de jalousie, dis donc. Voilà ça. Voilà son gars. Regarde. Le 28 février, voilà ça. Elle nous rappelle qu'ils sont tous mariés. Flore, il faut arrêter ça, hein. Tu as compris? Il faut arrêter ça, hein? Même quand une femme dit que son homme l'a trompé, tu n'as pas le droit de venir poster aussi que tu trompes ton homme. Tu dois tout rester en position de force. Tu comprends? Il faut arrêter, voilà ça. Sur ton snap. Voilà ça, ton snap. Tu le postes tous les jours. C'est pour choquer Fingon. Fingon, c'est ça, je m'en fous. Tu as ramassé un blessé de guerre. Tu vois que ça va lui faire quoi? Il faut souvent arrêter ça. Hein. Voici ton nom ici. Voilà le gars. C'est sur Snap. Ce n'est pas que vidéo cachée. Les femmes sont terribles. Hein. Tu vas parler, les femmes vont mettre leurs organes pour commencer. Tu penses que tu peux faire bras de fer avec un homme? Il te trompe, tu le trompes, c'est kiff kiff. Même si tu as deux coins, il n'y a pas, vous êtes toujours mariés. Toi, tu sais que vous êtes toujours mariés. Voici un autre gigolo que tu as ramassé. Hein? Il faut l'argent là que tu donnes aux hommes là, il faut donner à tes enfants. Hein? Va un autre gigolo. Mon fiancé, toi, tu te maries tous les jours. Tu n'as pas honte? Hein? Regarde. C'est quoi ça? Mariage par correspondance. Ta part n'a même pas fait 2 mois. Tu n'as pas honte. Je l'ai donné mon argent. Mes chers frères et sœurs. Flore brésilien, tu as faux cop parce que tu n'as pas affiché les hommes sur ton statut. Il y a même les vidéos plus compromettantes. Tu n'as pas fait ça. Toi, tu viens nous appeler sur Facebook. Nous, on est encore mariés. Vous êtes encore marié, tu affiches les hommes comme ça sur les réseaux sociaux. Tu as pensé à ce moment-là que tu es marié. Il faut souvent arrêter. Tu dis que tu as envoyé. Envoie-moi même. Je vais vous dire quelque chose, mes chefs et soeurs. Vous savez que les hommes sont que même quand on les donne, ils disent toujours qu'on n'a rien donné, non. Il faut que Flore brésilien poste les Western Union d'envoi d'argent. Qu'elle a envoyé à Fingon. Qu'elle poste les trucs, même si c'est 200 euros, qu'elle poste que depuis là, qu'elle a déjà envoyé l'argent en Afrique, qu'elle poste tous les transferts d'argent. Parce que j'estime que quand tu fais construire une maison, tu envoies l'argent, non, mais même si on dit que c'est quelqu'un qui prenait, qui donnait, qu'elle envoie, qu'elle poste les trucs d'argent. Fingon n'est pas sainte, mais les deux sont pareils, ils se sont rencontrés ensemble. C'était le genre que tu me manques, je te manque. Donc, deux bandits, pourquoi deux poclettes se sont rencontrées. Vous comprenez? Il faut que les gens arrêtent. Toi, tu poses là que c'est ton fils, tu n'es même pas divorcé. Tu viens nous raconter quoi sur les réseaux sociaux?
Est-ce que tu oublies qu'il n'y a pas vol dans le bien commun, ce mariage de couple bien commun, il n'y a pas de vol dans ça. Tu devais avoir honte. Tu viens nous raconter, oui, et voici les photos de la maison. Un homme peut être en train de construire, il t'envoie à toi ici pour dire que, ma chérie, la maison appartient à celui qui a le terrain. Tu ne sais pas ça. Quand tu tapes 18 ans sans aller au pays, tu vas aller investir là-bas sans... Arrêtez souvent les bêtises là. Tu n'as pas de famille. Deux guignols. Tu ne pouvais pas aller là où ta mère habite. C'est triste. Regarde votre maison. Regarde où ta mère vit. Toi, tu nous racontes comment tu as acheté la voiture jusqu'à tu habilles même Senga. Tu devrais avoir honte. Il t'a eu. Tu as compris? Vous vous êtes eu. Tu pars, tu es qu'à la veille, il t'avait tapé. Ça, j'ai écouté chez toi. Il t'a tapé. Il peut être, on peut être escroc, il peut être tout. Elle savait déjà, n'encourageons plus les femmes à aller investir sur les hommes sans les connaître. Je suis désolée. Je n'ai pas dit que Flore est méchante. J'ai dit qu'elle est bête. On doit sensibiliser les femmes sur ça. Arrêtez d'aller investir sur les hommes que vous ne connaissez pas. Tu ne connais pas un homme. Tu n'as jamais été. Tu peux investir sur lui en vertu de quoi? Hein? Tu connais combien de personnes il a sorti avant de tomber sur toi? Ne supportons pas les choses pour encourager les femmes. Ce n'est pas. Tu peux investir sur un homme que. C'est-à-dire que pour un homme que tu connais, que tu as pris, même si on dit dans la vie qu'on ne connaît jamais quelqu'un. Hein? Tu ne peux pas, tu rencontres, tu ne le connais même pas. Il t'amène, tu l'épouses, tu investis sur lui. Ça, c'est quoi ça? L'amour aveugle, c'est vrai. Mais vous deux, vous êtes en train de fuck up. Franchement, il montre sa part de son côté. Toi aussi, tu es là, tu embrasses un homme. Regarde une femme mariée, même en justice. Lui, il fait peut-être les postes, mais une femme mariée, imagine la main sans justice. Mon amour, regarde, sur ton statut. Tu ne caches pas. Il habite chez toi. Le voici. Même si tu as raison sur tout. Ce n'est pas normal. Voilà ça. Même si tu as raison sur tout. Du moment où tu trompes ton mari, tu poses. On peut, les femmes trompent leur mari. Hein? Ils trompent leur mari en solo. Toi, tu viens, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu l'embrasses. Hein? Tu l'embrasses. Va faire le direct. Tu nous dis pourquoi tu embrasses. Une femme mariée peut embrasser un autre homme comme ça sur les réseaux. Explique-nous. Regarde, tu es tellement amoureux. Sors derrière Fingon, il fait sa vie. L'amour n'est pas forcé. Si c'est fini, continue ta vie. Il ne va pas te salir. Pourquoi? Un homme comme ça va dire que tu es une bordel. Hein? C'était l'amour. C'est fini. Tu es couché dans ses bras ici. Tu penses que même si sa famille voit... Même si c'est ta propre femme, ils vont te réprimander. Ils vont te dire que non, tu n'as pas le droit de faire ça. Malgré tout ce qu'il a eu à te faire. Ma soeur, laisse un peu la dose de Fingon comme ça. C'est un débrouillard. Voilà les gens qui sont là en train de dire que j'ai traité Fingon. Je l'ai traité en quoi faisant? J'ai dit que les deux, que ce n'est pas normal. Mais Flo aussi, Flo brésilien ment aussi dans beaucoup. Elle ment aussi dans beaucoup. Je suis désolée. Vous savez, la cause de leur problème, c'est la jalousie. C'est que Flore brésilien, c'est qu'elle a toujours su que son gars était un gars infidèle. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. On va ouvrir la ligne. Vous allez donner votre avis par rapport à cette histoire. Et si Flore brésilien vient encore faire la vidéo, moi, je vais faire parler Fingon. Et je vais prouver au monde entier qu'elle est une femme infidèle. Parce que même quand un homme est infidèle, la femme ne doit pas faire le bras de fer en disant que vous êtes marié sur le bien commun. Tu pars, ta famille n'a rien, tu donnes tout à un homme. Tu veux qu'on encourage ça? Tu as été gentil avec lui, mais tu ne devrais pas. Parce que c'est un blessé de guerre. Hein? Tu as quatre enfants, quatre pères. Mais pourquoi parmi le père de tes enfants, il n'y a aucun? J'ai adoré. Allô, c'est Rao. Tinga Sora, grand-mère. Ça va, mamie? Ta mère, Anna, elle a tchamangé le téléphone, puis il a souri. Ma,
Mao. Do, ma do mon ton. Nange te font paiement à sous un beau. Ah, bien sûr, non, il y a un téléphone pour le un problème. Peque je, bonbon, Chris Me. Oui, Chris Me, moi, je fais Chris Me ici, t'as fait comment? Non, je disais le pack, non, Pascal, ma. Non, mais papa, mais j'ai conseillé, ma bonne chose. Ah, bon, c'est quoi? Ça vous va, ça vous est à l'aise, non, donc vous êtes à l'autre. Ça va, ah oui, vacances, c'est sûr. Ah. Mais il était bon pour moi, Mambo. Ah, Cindy. Pardon, désolé. Excusez-moi. Après, on ouvre la ligne. Donc, moi, je condamne fermement Fingon d'avoir affiché sa relation. Parce que quand on est marié à une femme, qu'on pense ce que la femme a fait pour nous. Quand on veut partir, on part avec élégance. On part avec Fingon, le jumeau de Vemba. On part avec élégance. Fingon devait partir avec élégance. Il ne doit pas partir en la traitant de bordel. Vous savez, une femme qui fait la bordelerie et une femme qui trompe, c'est deux choses différentes. Parce qu'en Europe, aller faire la bordelerie, c'est le travail. Mais tromper, c'est quand tu as une relation suivie avec quelqu'un. Mais une femme qui part déposer son comptoir, qui vend son piment. Que son homme la dépose vendre son piment, ce n'est pas tromper son mari, elle pas au bureau, c'est le travail. Donc on traite une femme de bordel, de tromperie, quand elle sort avec un client régulier, qu'elle dit que c'est son gars. Ça, c'est la tromperie. Mais un couple qui sont les chercheurs d'argent, qu'on sait que ils sont là, que l'autre part travailler, l'autre reste à la maison. Et ce film, on doit savoir où il doit me demander où l'argent vient. Mais si ça soit seulement, il regarde la télé, il accompagne les enfants. Regardez bien l'affaire là. Vous avez compris? Parce qu'on me dit que Fingon a affiché sur Internet. C'est ça qu'il peut condamner. Qu'il n'a pas affiché sur Internet sa relation. Il peut vivre en solo. Le téléphone. Quelqu'un peut mettre mon numéro de téléphone pour les appels. On est là toute la journée. Flo Brésilien, viens appeler. Tu nous dis pourquoi tu as dit que tu avais les papiers belges alors que tu as les papiers pitiation, les papiers de la pitié. Que les Belges donnent aux gens comme ça, ils partent. Les papiers et Nations Unies. Dis-nous pourquoi tu lui as dit que tu avais le kaolo. Sûr. Il est venu derrière toi pour ton kaolo. C'est le kaolo qui l'intéressait. Quand on regarde le chemin, c'est son chemin, c'est le cas. Une femme peut vivre avec un homme, ça ne m'a pas deuxième, ça ne m'a pas troisième, ça ne m'a pas quatrième. Donc, Fingon était le cinquième homme. Ça veut dire que toi-même, tu y as un problème. Toi-même, tu n'es pas facile avec les hommes. Parce que 5 enfants, 5 pères. On tue téléphone, non. Attends. Maman, je veux lire le mot. Où l'on congé, c'est? Où l'on congé, c'est? J'ai encore ben, 3 semaines là, oui, j'ai là. Ah. Pardon, pause, viens te déposer la main même pour 2 semaines. Toto. Moi, je dépose ma, non. Toto. Ah, ma. Yé! Awa! On croit quoi? Parce que chercher les gens, c'est moi quand ils ont les problèmes. Moi, je connais pas, je lance plus les choses comme ça. Awa, quoi? Dans mon. Il faut que tu aies pourquoi soin de même beau. Un mot là. Ah, d'accord, on va parler ça tout à l'heure. Tu vas me donner les photos. Mais est-ce que le gars il fréquentait les Camerounais? Ok, ma.
Non, tu as mon mari tombe parce que je suis en direct. Non, pour mon ton joie. Tu as encore ton bisou, ma soeur. Voilà, donc j'étais en train de dire que les femmes, apprenons à investir dans nos familles que d'aller soutenir les hommes pour acheter l'amour. Le vrai amour ne s'achète pas. Regardez Choukré et moi. 4 enfants, 5 pères. Regardez l'amour de Choukré et moi. Est-ce que vous avez vu que Choukré a dit que le moment venu, il prend tout son temps. Je sais que l'amour de Choukré et moi, Choukré même, Choukré veut faire de moi sa femme. Mais les femmes sont d'accord, mais ce sont les hommes qui jalousent. Les hommes jalousent mon amour avec Choukré. Ils ne veulent pas entendre même d'une oreille que Choukré. Mais les femmes sont d'accord parce qu'elles veulent mon bien. Mais nous, on observe encore. Bon, on va mettre le numéro. Est-ce qu'il y a une abeille qui peut arriver à Camayon? Je veux que tu mettes le numéro pour intervenir dans ce live. On va faire le direct jusqu'à. On coupe maintenant. Vous allez donner vos avis. On n'insulte pas. Chacun donne son avis. Condamnons l'achetage du mariage. Condamnons fermement le fait que les femmes achètent le mariage. Nous ne sommes plus d'accord pour cette situation où les femmes achètent l'amour. Quand tu décides avec un homme qu'il veut t'épouser, oui, j'ouvre la ligne, mettez alors, non, je veux que quelqu'un mette le message. Et puis, je vais ouvrir la ligne, vous appeler. Hein? Ce n'est pas normal. Arrêtons de payer, maman. Même si tu veux payer un gars, tu payes un blessé de guerre, maman. Jusqu'à tu as envoyé, tu dis que tu as envoyé la voiture. C'est toi qui as dédouané, c'est toi qui as acheté. Poste-nous les papiers d'achat de la voiture, là. Posez-nous les formes. Parce que quand Choukré va décider de réaliser dans ma vie, pas le pep-pep que les gens tapent là, il m'a d'abord trouvé sur un conteneur de femmes. Est-ce qu'il va me parler fort? Ouais, il n'y a personne pour écrire mon numéro que j'épingle. Oh là là. Vous énervez, hein? S'il y a une abeille là qui peut écrire mon numéro, je vais ouvrir la ligne, vous appeler, vous donner vos avis sur cette histoire d'acheter. Adeline Seke, bonjour. Ah, je remercie mon ami Guy Alessandre Mambo qui m'a invité personnellement pour le conseil de grâce des cas qui aura lieu le 13 mai à Paris, la soirée des infirmières et des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Merci infiniment aux organisateurs de m'avoir invité. Ouais, qui peut me mettre mon numéro? Le problème, c'est que quand tu parles, écris en même temps. Mon numéro, s'il vous plaît, si quelqu'un peut épingler mon numéro pour que vous appelez, s'il vous plaît. J'ai demandé à une abeille, il n'y a personne. Est-ce qu'une abeille peut m'écrire ça? Une abeille peut écrire mon numéro? Non, il faut faire le message pour intervenir. J'aime pas seulement qu'on écrit sans faire le message. Pour intervenir dans ce direct, tu écris, j'épingle, c'est tout. J'attends que quelqu'un écrive. Je vais ouvrir la ligne. J'attends. Dès qu'on met le numéro, il faut faire que toujours un message. Il ne faut pas seulement écrire comme ça, non. Je préfère que vous ayez pour intervenir dans le live. Vous mettez le numéro, j'épingle. Chouke, c'est encore qui? C'est Kikiri qui? C'est que tu es nouvelle. Mon numéro, c'est 0. Non, je veux qu'il faut faire d'abord un message, s'il vous plaît. J'aime pas qu'on écrive seulement comme ça. Pour intervenir dans le live, vous pouvez composer le numéro 0033 679 40 59 92. Vous appelez sur WhatsApp ou en normal, c'est comme vous voulez. C'est mon numéro. Ok, quelqu'un écrit. Je vais épingler. Épingler. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais intervenir. Oui, la ligne est ouverte. Voilà, donc, je me présente. J'aimerais rester quand même anonyme. Bon. Voilà, moi, j'ai écouté le direct de Flor, ce que notre mère s'appelle. Flor brésilienne. La femme, il faut dire Madame Fingon. Voilà. Madame Fingon, j'ai écouté son direct hier, ça m'a fait beaucoup de peine. Moi, je vais être sincère. Moi, j'ai 59 ans. J'étais aussi restée, je suis arrivée en Europe à 20 ans. Je suis restée peut-être 25 ans au Cameroun.
Quand j'ai commencé à côtoyer les Camerounais, j'en ai eu un aussi. J'ai eu presque la même chose. Wow. J'ai même été mariée avec un aussi après. Pourtant, je vis en Suisse. Je lui ai fait confiance. J'ai envoyé des voitures, tout ça. Il vivait dans mon immeuble, etc. L'argent de poche et tout. Entre-temps, monsieur, avec cet argent, il a pris son ex. Il lui a pris une maison. C'est par rapport au Benfica. Quand je l'ai fait suivre, j'ai fait une filature que j'ai su où il habitait. Donc, dès que je prenais l'avion, il prenait ses affaires pour aller habiter là-bas. Et tout ce que j'ai investi, lui, il investissait sur cette fille. Elle m'a fait beaucoup d'appels, mais elle, franchement, quand vous avez commencé à te dire ce matin, c'est abusé. Elle a dit, plus bête qu'elle, ça n'existe pas. Il ne faut pas exagérer. Les 3 millions, c'est quoi ce montant d'abord? Je me pose la question, parce que moi, si je travaille, j'ai deux boulots ici. Pour avoir autant d'argent dépensé comme ça, moi, quand je parle des sommes, c'est des petites sommes, quoi. Je veux dire, c'est 1 000 francs suisses, 500 francs suisses par mois, mais quand j'entends, ça donne des vertiges, toutes ces sommes-là. Donc, c'est ce que je voulais juste dire. Vraiment, nous, les femmes, on se Entre-temps, dirait sa pas. famille n'a rien. Entre-temps, hein, j'ai pas envie de mettre Oui. leur maison, hein. Si tu vois. Alors, justement, parlons-en de maison. Moi, ce monsieur-là, justement, j'ai été jusqu'à me marier avec. Vous vous rendez compte, entre-temps, j'achète un terrain à Maquette de 600 mètres carrés. Quand j'envoie l'argent, j'ai payé le terrain en plusieurs fois puisque je n'ai pas les moyens. Quand j'envoie tous les mois 2 000 francs, presque 1 million, il va faire le reçu à son nom. Quand je demande le divorce, il dit qu'il a donné la moitié. Non, de Dieu, tu gagnes 60 000 francs. Comment tu peux donner sur un terrain 8 millions? Nous sommes toujours en procédure jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous dire une révélation. Il a fait fermer mon terrain par des relations à lui. Ce petit pays, par ses relations, qui a ordonné au préfet, qui dépend de ma capacité d'ouvrir mon terrain en 24 heures. C'est pour vous dire que les hommes, même si j'avais vu une fille aussi bête de ma vie, Merde. franchement, Et Emma, est-ce que tu penses qu'on doit encourager que les femmes épousent les hommes comme ça là? je suis Hein? d'accord avec tout ce que vous dites, comment vous moquez de mes gènes. Maintenant, hier, j'hallucinais, je me suis dit peut-être que je rêve. C'est pas possible. Il te tape, il te bassine, tu continues de donner, on achète l'amour. Mais je n'ai jamais vu ça. Des hommes, nous hommes aussi, c'est que les amis, il faut aussi être Non, ce sont les femmes prudents. qui montrent qu'elles peuvent, jusqu'à habiller les maîtresses. Jusqu'à dire que ta copine, c'est moi qui achète son habit. Non, mais elle alors, c'est la totale. C'est la totale. La totale. Moi, j'ai eu des coups, mais quand j'ai écouté cette dame, je dis, mon Dieu, moi, je me croyais poubelle. Alors, elle alors, c'est le pompon, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie, donc c'était Non, juste une disons aux question femmes d'arrêter, dis donc. Et quand tu veux être Non, avec nous, arrêtez, avec arrêtez. un homme, apprenons à connaître les histoires de ces hommes-là, leur Non, passé, le je dis passé encore une important. dernière chose alors que tout le monde doit écouter là. Ce monsieur dont je me marie avec lui, quand j'ai donc su par le Benticuneur les photos, les captures d'écran, je paye ce Benticuneur 30 000 francs par jour, le suivi du matin jusqu'au soir. J'ai su qu'il habitait là-bas, j'ai demandé le divorce, on a annulé le mariage. Vous savez, comment on appelle ça, le retour à l'envoyeur. Lui, quand je viens au Cameroun, oh chérie, machin, je t'aime, faut plus qu'on se quitte et tout, etc. J'ai préparé les dossiers quand on se marie. Je suis chez moi, il envoie un taxi, on va se marier. Écoutez bien, vous les followers de Flore là. Le taxi vient me chercher, on va à la mairie de Mpanda. J'arrive, je signe, il n'y avait pas de témoin. Le bon Ok, monsieur, comment c'était tu peux absurde. te marier sans témoin? Donc, moi je lui me dis que oui, parce que c'est un ami à lui. Effectivement, ce monsieur, à la fin, se rend compte que, parce qu'il est pauvre, il est décédé. Monsieur Ndidi de la mairie de Mpanda au Sport, c'était un ami à lui, c'était les faux mariages, quoi. Donc, maintenant, donc, c'est une amie qui me dit, Didier, attends, il veut même prendre tes biens là. C'est un mariage qu'il faut annuler parce qu'il n'a jamais été déclaré, il n'a jamais été publié, il n'y a pas de souche. Donc, c'est-à-dire, le chef bandit est mort dans son propre crime. Le tribunal de Bonadio a fait une descente à Mpanda avec le juge, le président du tribunal, Ndongue Dimo. Ils ont pris les fiches, une fiche qui n'existe pas. Le papa était maire de Mpanda, il est décédé. Le fils s'est mis à faire des actes de naissance, des actes de mariage à des gens contre argent. Donc lui croyait m'avoir. Et tu me fais ma femme, hein, et je vais partir d'ici comme ça. Et c'est le quand j'ai su que je me suis fait avoir, le bon monsieur voulait insister. Jusqu'à il dit il va demander le partage des biens. Quand j'ai mon petit immeuble avec des petits locataires, il demande la moitié des loyers parce qu'on a été mariés 4 ans. Mais marié, tu as mis un franc. Le juge a dit, monsieur, l'erreur que vous avez faite, c'est que cette maison, c'est la concession familiale de cette dame. Il fallait la faire construire chez vous à Bali. Donc, tant pis. C'est sa concession familiale, vous n'avez rien à demander ici. Ça ne lui Ok, appartenait pas. Mathieu l'épousa, après il te demande même encore les allocations familiales ou c'est quoi là? Non, il voulait la part des loyers de mon petit immeuble que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors le juge a dit, mais monsieur, non, mais ce n'est pas votre maison. Vous êtes de Bali. Il fallait, c'est l'homme qui quand se marie, qui donne le domicile à l'épouse. Il fallait dire à cette dame de construire chez vous à Bali. Même sa propre famille lui a dit, mais tu as été bête.
L'argent qu'elle a construit, parce que si tu voyais les travaux, même quand tu voulais un peu, mais il fallait la faire construire à Bali chez vous. Maintenant qu'elle a construit chez elle, c'est ça qui m'a sauvée. Tu n'as droit à rien ici. Vous voyez, donc je vous dis, il faut être quand même intelligent. Mais avant d'aller me marier, je vais d'abord sécuriser mes biens, maman. Voilà, moi, j'ai mes loyers qui tombent, presque 1 million par mois, mais je n'ai pas de problème. Il est là, il me maudit, je m'en fous. Il s'est été fait, tant pis pour lui. Il a été un arroseur qui a été arrosé. Il croyait qu'en m'amenant à la mairie, il allait se procurer mes biens, il fermait mon terrain. Moi aussi, je vais montrer que je suis une femme qui ne dort pas, quoi. C'est pour vous dire, à nous, les femmes, vraiment, faisons attention. Moi, maintenant, j'enjoy ma vie, oh. Je m'en fous, je fais les mariages, je m'en fous. Dernière ligne droite, moi, je suis à la pré-retraite, j'enjoy. Il faut enjoy la vie, c'est un tour. Voilà, je remercie tout le monde. Merci, maman. Et puis, voilà. Franchement, mieux enjoy, maman. Mieux, je prends quelqu'un. Oui, parce que les hommes, là... Il donne les crises cardiaques. Non, mais elle c'est le pompon, hein. Non, mais attends, allô, quoi. Non, elle va bien, elle, là. Le vrai pompon. Un médecin, hein. Le vrai pompon. Vie, hein. Le vrai pompon. Okay, merci, voilà, maman. Bisous. Maman, vous voyez, non. Arrêtez d'investir sur les hommes. Arrêtons d'investir n'importe comment. Oui, allô, conseil pour blessés de guerre. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, c'est Flo à l'appareil. Oui, c'est moi. Voilà, la reine mère, j'étais là à rencontrer au moins plusieurs fois. Ah, merci. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que non, il faut que tu parles à la reine mère. J'ai profité de l'occasion pour te parler, juste parce que je veux te faire comprendre que l'affaire des films, donc tu comprends la mère. Tu connais toujours le petit, le gars qui vient de vous parler comme un boy au téléphone, là, c'est bon, c'est un beau, j'avais plein. Donc, la fête de Fingon, que j'entends les gens parler là, mais moi, d'une part, je vois que Fingon n'a pas mal fait parce que les gars ici, là, ils n'ont pas les sentiments, tu comprends, non? Oui, la mère, Fingon l'a raté, il te juge de ressusciter de son œil. Là, il doit avoir un œil, il comprend comment ça fait. Les gars sont trop bas dans le bain, là. Est-ce que tu sais ce que tu dis, la mère? Je suis, papa. Je n'étais pas allé pas parce que je suis méchant ou je suis pas. Non. Une fille ici en Europe, quand tu lui donnes ton cœur, vous êtes bien. À un certain moment de la vie, elle commence à calculer. Pourquoi elle calcule? Parce qu'il y a toute sa famille qui est derrière. Si ce n'est pas la mère, c'est la grande soeur, c'est la tante qui est en train de voir. Tous nos soeurs camerounais d'abord, ça ne vaut même pas d'avoir la peine. Et t'as ça, c'est ici une fois. C'est mieux que ici en Bénin. Quand quelqu'un arrive, venez chercher qui notre nationalité pour épouser. Tu comprends la mère? Non, il y a les bonnes filles aussi, les bons gars. Hein. Les gars camerounais ne sont pas honnêtes. La mère, écoute, je vais te dire, moi je t'appelle la mère parce que tout le monde t'appelle la mère. Tu es la mère des abeilles. Je suis un abeille pour toi caché que non, c'est un jour. Tu dis seulement que je vais le je vais présenter. Je n'ai pas besoin de trop parler. Tu comprends? Oui. Mais je vais seulement te donner 3 détails. Moi, je te dis ce qui m'est arrivé à moi. Parce que moi, je suis arrivé ici en Bénin, en Bolinga. J'étais au Danemark. Je suis sûr que Manga écoute. Je suis sûr que la mère de mon enfant écoute l'audio là. Je vais t'expliquer une histoire. Je t'explique l'histoire là parce que je profite de l'occasion du problème de Fingon pour t'expliquer mon histoire. Oui. Et puis je quitte sur ça. Moi, j'étais au Danemark, j'ai tamponné une gars qui n'avait pas le Kaolo. Une gars qui sortait avec un Camerounais toujours, que le Camerounais a abusé d'elle. Tu comprends, non? L'Angalais fang de ton Dieu très mal, la matière de Momona. Moi, j'étais avec elle, on était bien. Il lui dit que tu sais quoi, avec tous les problèmes que tu as eu, tu as dépensé l'argent, les bas 8, 9, 000, 9 millions, 4 millions, 8 millions, tu n'as pas eu le chaos, la vie, je vais te mettre dans le chemin. C'est un boy du dehors, depuis le cours, suis-moi. Quand on m'a suivi, on est venu en France. On arrive en France d'abord, moi je suis venu, j'ai choqué toujours par la route, non. Je suis revenu en Allemagne, choqué, je suis tombé en France. Elle quittait maintenant du Danemark. On organisait un billet d'avion avec son passeport. Tu vois la carte que tu valides en ligne, mais tu ne payes pas. Tu ne vas pas valider à l'aéroport. Oui, tu oui, vois, oui, je vois un peu. Dans la réunion, tamponné en France, on est quoi à Strasbourg chez mon grand, la mère. Mon grand a tamponné Langa. Il m'a dit, mon petit, Langa, elle n'a pas le carole, tu ne peux rien faire avec un tas là. Il dit que grand, ici, là, tu ne me dis pas comment il fonctionne. Je suis comme une place. Si je suis venu chez toi, pourquoi tu m'amènes les roues et les ballons? Béta, tu me dis comment. Il m'a dit, mon petit, je te donne 24, tu sors de ma maison. Il dit, grand, 24, c'est beaucoup. Je sors là, daba. Même si il faut dormir, je vais dormir, c'est un choqueur. J'ai pris Langa, mais écoute bien, Flo. Oui, je t'écoute. Non, on t'écoute. Tout le monde t'écoute, hein. Les gens sont très concentrés à t'écouter. J'ai pris Langa. J'ai pris Langa, j'ai amené Langa ici en France. On a tourné, tourné. Elle a amené dans une ville où je vis.
Tu comprends, non, la mère? Oui. Elle a amené dans une ville où je vis. La ville, là, d'abord, elle a d'abord dit qu'elle va aller chez sa copine. Elle t'a dit que tu ne peux pas vivre dans une maison, tu n'as pas le kaolo. Tu vis dans la maison d'une fille ici en bête. Même si c'est ta copine, elle va te malmener. Tôt ou tard, elle va te rendre la vie difficile. Viens, on va choquer, je vais te montrer comment le dehors se passe. J'ai pris l'anga. J'amène l'anga. Elle était chez sa copine, elle avait souffert, non. J'ai mes combis dehors, parce que moi, j'ai fréquenté beaucoup les grands. Les grands boys du pays qui sont arrivés en bête. Ils sont devenus, ils ont les kaolo, tous, ils ont les longs. Ils m'ont dit, bon, viens, je suis venu, on m'a donné la position. J'ai pris l'anga, je suis parti mettre dans la position où on m'a donné. Et moi, je choquais dehors. Je venais avec les petits doux que j'avais tout le temps. Il dit à l'angaté, voilà comment ça va se passer jusqu'à ce que tu vas tomber belin. Tu connais déjà la fin quand tu vois le belin. Et pas belin de Dieu, c'est ici-là. Quand tu vas à Macam, on va trouver quelqu'un qui va à Macam. La matinée de l'angaté m'appelait tous les jours, mon fils, comment tu vas? Oh, pardon. Oh, ma fille, elle a dit, la mère, calme-toi, elle est sur les mains d'un lion. Calme-toi, elle est sur les mains d'un lion. La mère, d'autres tranquille jusqu'à demain. J'ai pris l'angaté. Écoute bien, Flor, j'ai pris l'angaté. J'ai amené l'anga. L'anga, tout le temps que moi, je partais à Paris, je faisais le ching. J'ai entré dans les magasins, il tapait l'enjoy, il était dehors, il choquait. Il vient aimer l'anga tôt. Jusqu'à pendant 3 ans qu'on a fait la relation, c'est parce que l'anga est tombé belé. Maintenant, on a eu un discours ici, là, que quelqu'un nous a fait le chantage pour le kaolo. Il dit à l'anga, que tu sais quoi, choque pas derrière nous, coco. Tu choques le kaolo là-bas, ici, si il est choqué, on va rester, c'est tout bien. L'anga arrivé maintenant, le cognac, que son oncle. Son oncle a reconnu le mouna. En des temps, moi, j'étais avec l'anga. L'anga ne connaît pas ma situation, Flore. L'anga ne t'inquiète pas de moi. C'est toujours moi qui m'inquiète de l'anga. Ma mère m'a dit non, il faut laisser dire que la mère n'entre pas dans nos histoires. C'est qu'on va dire que c'est toi qui as la cause de ça. Laisse-moi, je choque mon bébé. J'ai pris l'anga, j'ai envoyé les dos. Pendant ce temps, j'ai envoyé tous les dos. L'anga ne voit pas comment moi, j'ai envoyé les dos. Il y a 400, il y a 300. Pour le Mouna, le Mouna qui n'est même pas le même sur le Mouna là. C'est parce que moi, j'ai tout ma life avec l'anga. Maintenant, c'est dernièrement, tu conversais, je te dis que l'anglais écoute l'audio aussi. Elle écoute bien, je sais qu'elle t'écoute, elle est en train d'écouter bien la vidéo. Maintenant, je reste un dit, je dois faire l'anniversaire du Mouna. Vu que j'ai dans ma position, je suis en train de me faire là, mes choses sont en train d'avancer, par la grâce de Dieu. Je dis à l'anglais que, ouais, on va faire l'anniversaire de l'enfant. Et nous sommes au 11e mois. Ma matin me dit, parce que moi, c'est un bazo, la matin me dit, mais comment tu veux faire l'anniversaire de l'enfant, mon père, alors que vous êtes à 11 mois, tu ne connais pas comment on est au bout de l'enfant, c'est passé. Il dit que la mère, moi, c'est qu'au pays, on prend sa mère ici, les blancs, je ne connaissais pas que nous, ici, on garde ça. Ma mère me dit, non, ici, on prend, même ton frère ici, là, m'a dit ça. Je parle l'anga maintenant. Je dis l'anga, mais c'est comment? Depuis que tu m'as pas dit comment l'histoire du Nombu s'est passée, l'anga me dit que. Elle me pose la question que pourquoi c'est aujourd'hui que tu as vu que tu dois l'animer demander ça. Et comment dans l'arabe, c'est dit que, ça a commencé. Mais j'ai l'anglais que, bon, ok, quand tu me dis que c'est aujourd'hui qu'elle est venue te demander ça, j'ai vu que tu me donnes l'anglais. Elle me dit non, il faut aller doucement. Elle dit qu'on n'est pas doucement parce que tu m'énerves déjà. Pourquoi? Parce que tu devais me dire ta santé, il te demande. C'est moi le bon. Tu devais m'appeler, me dire que, lui, on a bon tour, c'est le Mouna, le Lombo, et là, on fait comment? Un jour dans les blagues, je discutais avec l'anga, même pas dans les blagues, je discutais avec l'anga, il parlait de Mouna sur le téléphone. L'anga me dit que non, tu sais que les gens sont pour mon téléphone, quand tu parles comme ça, il dit à l'anga que c'est mon Mouna, tu marches comme il te dit, j'ai souffert sur toi aussi dans le bain, ce n'est pas mieux même parce qu'il veut bosser avec toi. Et quand il parle, tu dis qu'il parle fort. Toi, tu as la position, tu ne connais pas comment mon dos, tu ne connais pas comment il vit, tu ne connais pas comment il mange. Quand il partait faire le ching, il venait te donner les cartes, tu ne sortais, tu ne connais pas comment il prenait les dollars. C'est comme ça maintenant que l'anga me fait comprendre que non. Ça m'a dit m'appeler Flo bien. Pendant ta grossesse, d'abord, je suis tombé dans les matas très mal. Quand tu me vois, tu ne me reconnaissais même pas. Maintenant, je colle la matinée de l'anga. Je dis à l'anga que tu vas me donner le nombre ou pas. L'anga dit que non. Il dit que okay, si tu ne me donnes pas le nombre, il n'y a pas d'anniversaire. Parce que l'argent qui est gardé pour l'anniversaire, les mêmes points, ça va m'aider pour autre chose. Si tu veux qu'on doit faire l'anniversaire de l'enfant, tu me dis qu'il y avait un nombre. Je colle la matinée de l'anga. La matinée de l'anglais, la matinée de l'anglais, que la mère, bonjour, je vais te poser deux questions, je te fâche pas s'il te plaît. Depuis, essaye de te joindre, il n'y a pas moyen. J'ai eu à parler avec ma mère, elle m'a rappelé de quelque chose qu'elle ne savait pas. Et puis, je demande à Vanessa, je demande à l'anglais de me donner le nombre de l'enfant, et au fils de me donner le nombre de l'enfant, on va faire comment? Si je n'étais pas le même de ta flore, c'est parce que je suis touché, je veux que tu me donnes un conseil. Parce que moi, elle a le cœur d'abord, il parle ici, il faut qu'elle écoute, le cœur de coco, pense ton kaolo. Mais. Comme je sais que j'ai un enfant de Dieu, j'ai laissé ça. Ma matin m'a dit laisse. J'ai dit que ok. Je lui ai dit que non. Je veux que tu me donnes le nombre de l'enfant. Sa matin m'a dit que on te donne le nombre de l'enfant pourquoi? Ok. Mais on doit enterrer ça normalement chez vous. Parce que c'est toi le père. Attends, la matin de Mouna me dit que la matin de l'enfant me dit qu'on me donne le nombre de l'enfant pourquoi?
Après, je dis à Amadé du Mouna que, ok, ne te fâche pas, je vais te poser une deuxième question. Si tu, si tu ne parles pas, je vais rester tranquille. Il dit à Amadé du Mouna que l'enfant, c'est mon enfant, ce n'est pas mon enfant. L'Amadé dit qu'elle ne connaît pas. Et que? Non. Là où il y a rapté une fois directement, il y a Colanga. Il dit à la tu écoutes ce que ta matière dit, non. Un jour, tu m'avais dit ici là que le Mouna n'est pas mon Mouna dans les blagues. Un Mouna qui est fait depuis. Et si derrière le Mouna, bango, bango, si derrière toi, bango, bango. Tu n'as jamais dormi dehors en France depuis que tu m'as connu. Il t'a emmené chez les amis de gauche à droite. Il luttait même quand quelqu'un ne te touche même. J'ai choqué 3 ans avec toi, bango, bango, comme ça la personne était là. C'est quoi? C'est moi qui l'ai amené à l'hôpital, elle avait mal au ventre. Non, les femmes ici en Europe, vraiment. Elle avait mal au ventre, Lord Elise. Après, si tu veux, tu veux mon contact. Je vais te montrer la fille là. Je vais t'envoyer même des pictures. Parce que le tout, c'est là, c'est le vrai tout. Ça ne vous m'en fout pas. Quand elle est venue ici, elle avait mal au ventre. Elle m'a dit tout. Elle avait mal au ventre. Elle donne pas aussi. Elle est prise. Elle a mené à l'hosto. Le docteur lui a dit que non, tu as vraiment mal au ventre. Elle a mené chez une grande sœur. La grande sœur a fait les médicaments. Elle a genre. Comme ça, quand elle est repartie à l'hôpital, le docteur a dit que non, tu peux tomber belle. En détendant, moi, je suis dans les rangs, Donc, je postais dans toutes les positions, ici, là, dans l'Europe, il n'y a pas un pays aussi, papa. Si t'es encore là, il est risqué. Il faut faire les deux pour venir mettre l'anga bien. Il n'a pas dit que. Oui, mais dis-moi, est-ce que c'est fini avec l'anga? Elle dit quoi? L'enfant, tu as déjà vu l'enfant? Écoute, l'anga, maintenant, dans un système, écoute, je vais te voir, l'anga, dans un système, ne m'écrivait pas depuis. Moi, avec la colère, je reconnais, avec la colère, je sais l'anga pris. Je pense qu'il faut qu'on se sépare parce que la façon dont tu réagis déjà là, et comme je n'ai pas fait l'anniversaire de l'enfant, je sais que tu vas avoir plus de réponses sur la tête. L'anga, je l'ai bloqué une fois, il y a une grande, la grande sœur chez qui elle habitait, qui est partie au pays, fait 9 mois, et que j'ai parti là-bas, c'est chez la grande, c'est la même que je l'ai belé parce qu'elle n'avait pas la position au Nang. Mais moi, j'aime bon, moi, je ne manquais pas la position au Nang. Mais je ne pouvais pas m'aider m'engager les points de gauche à droite. Ça devait être comme si c'était un chantage de main et en même temps. Donc, je lui ai donné toutes les positions fruits. Ou est-ce que non, ici, là, elle n'aurait pas les mots de tête. Tu me dis un peu, non? Ouais, courage, père. Tu comprends un peu, non? Je comprends. Moi, maintenant, j'ai dit au Salanga que, ouais, maintenant, tu as le Mouna. L'Anga me dit, non, on va continuer tout ensemble, on va faire les Mouna, tout. J'ai dit, en l'Anga, il n'y a pas de mata. Mais le problème, c'est que moi, à l'Anga, là, j'ai compris le système ici en Bain. Quand tu dépasses une fille de 1 an, 2 ans, ici en Bain, tu ne peux pas parler fort à l'Anga. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Mm-hmm. C'est mieux quand tu prends ta langue, que tu la dépends moi-même de 7 ans, 8 ans, tu peux parler fort. Même avant qu'elle ne parle fort, tu as enlevé les yeux. Parce qu'elle est gardée bien ici, là. C'est que quand c'est derrière, on dit, ça m'a dit qui m'appelait tous les jours, elle me colle plus tous les jours. Elle me colle plus, hein. Comme le Mouna, là, elle, le carreau, le tout, le Mouna va copier. Et je te rappelle que depuis qu'elle a pour le Mouna, je saignais les dos, hein. Je faisais les valises, j'envoyais. Il faut garder les reçus, hein. Garde tous les reçus. Non, je n'ai gardé. Je ne garde aucun récit, je vais te dire, je ne garde aucun récit parce que Dieu m'est témoin. Tout ce que tu fais à Ringa, parce que les garçons, là, ils parlent de ce que Fingola fait, Fingola a raté mon frère. Fingola a dit, il devait sucer son œil. C'est pas le Congo ça. Parce que les gars, là, quand tu les prends bien, ils te trouvent en Babylone. Oui, ils te trouvent en Babylone, Flo. Même la façon dont je te vois souvent, tu réagis avec les hommes là. Moi, je suis pas contre, je suis pour. Donc si tu trouves même ton père, t'as que tu peux. Parce que ça va te mentir, Flo, c'est mieux qu'on décide en moi si cherche, on ne se cherche plus entre nous les frères, entre les mêmes nationalités. Chacun cherche une autre nationalité pour ne pas avoir les mots de tête. Dis-moi, est-ce que t'as déjà fait, tu vois souvent le Mouna, quand tu donnais les dos tout le temps, est-ce que tu voyais le Mouna? Attends, j'étais plus, non, depuis que j'ai arrêté, je l'avais appelé, je lui ai dit que maman, tu sais quoi? Je ne vais pas passer le temps à te donner les dos comme ça parce que tu as beaucoup de choses. Tu dois aller au pays. Tu vas prendre la maison, c'est moi qui vais charger la maison. Ouh, elle a déjà son kaolo. Attends, il te dit, elle devait prendre la maison. C'est pas celle-là, la maison. C'est moi qui devais charger la maison. Et Flore, je ne te parlais pas que c'est les yogo. Moi, je suis un boy, je m'assume. Donc, il peut même mettre même sur Facebook quand je vais parler de sa mère. Ce n'est pas une vie. Je préfère la laisser boire son temps. Aujourd'hui, qu'elle est parlée là, aujourd'hui qu'elle est bloquée. Parce qu'elle avait d'abord bloqué la première fois. La grande, c'est chez qui on habitait ma première. Non, ça va s'arranger, t'inquiète, ça va s'arranger. Écoute, regarde, c'est une gars qui ne veut pas te mentir parce que les gens parlent là. C'est une gars qui est la Yamou. Mais elle a un seul défaut qui m'énerve, là. Je vais te raconter, quand on était au Danemark, elle habitait comme à Marwa. J'habitais comme Peter Bafoussam. J'ai passé tous les week-ends aller et retour. Parce que, donc, j'ai passé vendredi, j'ai rentré lundi. Je manquais même un coup. Je gotais autour, je gotais la voix. Parce que le boy avec qui elle sortait, c'était un Bayangé. Il a dominé, il avait poussé deux la chop. C'est moi qui l'ai mis dans les schémas comme elle peut faire pour sortir dans les matas.
C'est moi qui lui ai dit que le pays, si tu peux pas avoir le chaos, suis-moi. Et c'est elle aussi qui dit que lui, ça tombe bien, on peut vraiment tout ça. Tu te rends compte que je vais régner pour tout ma famille pour elle. Ouais. J'ai régné toute ma famille parce que moi, je suis venu en bain seul, personne ne m'a aidé. Une fois, dit que comme sur le système, là, on me laisse ma vie. J'ai dit à Anga que non, je ne veux plus t'envoyer les dons tous les mois pour le Mouna. Laisse, on va économiser parce que tu dois le payer. Il faut payer ton billet d'avion. Qui va payer ça? C'est le boy. Tu as la maison, il faut remplir la maison. Qui va remplir la maison? C'est le boy. En attendant, tu as tes bêtes, tu connais comment tu fais pour avoir tes dons. Non. Mais quand le boy te passe, c'est qu'il ne crie pas sur moi parce que tes parents t'ont dit que tu es la seule fille unique. Il faut que quand tu parles, on n'a pas le droit de te dire ce que tu veux. Moi, la seule chose qui m'énerve dans tout ça, c'est le dernier mot que sa mère a dit qu'elle ne connaît pas qui est le pater du Mouna. Et elle est partie, ça m'a remis que non, comme tu vois là, non, remis, c'est parce que ma matière, elle a tolu ça à lui parce que par rapport. Je n'avais pas pensé à ça, Flo. Les hommes vont arranger, je suis sûr que ça peut s'arranger. Je suis sûr. Je vais sensibiliser tous les gars qui sont dans le groupe là parce que moi, je pouvais vous dire. C'est mieux que quand tu viens en bain, tu cherches ton sorcier, tu viens avec ton sorcier. Si tu connais que ton Dieu te trompe, trompe-le, vous restez toujours bien. Mais ce n'est pas parce que ton Dieu te trompe que toi aussi tu vas amener les longues scènes, ça devient que le divorce. Le divorce amène beaucoup de problèmes dans tous les temps. Parce qu'après, quand tu reprends une autre vie, toi-même, tu n'es pas tranquille dans ta tête. Ça ne rend pas la vie en ordre. Tu me trompes, je te trompe, c'est fruit. Mais j'ai compris que l'Angala, ce n'est pas une Inga qui est fruit. Parce que Inga, normalement, qui est fruit, même si j'avais dit qu'il n'y avait pas l'anniversaire de l'enfant. Elle ne devait pas m'appeler, des fois elle allait venir seule. C'est là où il y a le compagnon, au moins que lui, l'engagé, elle me considère. Elle a trop du mépris pour moi, parce que sa famille, elle a mis les mots dans la tête. Mais elle lui dit, on est dans le Bengsi là. Sois calme. Peut-être mon histoire va sortir sur Facebook avec. Mais maintenant, elle a dormi, puis lui, donne le lait. Ça en guerre comme en guerre. Non, laisse voilà. Quand il y a un enfant. Ton enfant, tu es. Parce que tu adores ton enfant, pardon, pour l'enfant. Ce n'est pas le seul enfant, Flo. J'ai un enfant que j'ai fait depuis Yaoundé. Que je peux appeler même son nom. Elle est en train d'appeler, elle veut parler. Qui veut parler? Tanga. Mais qu'elle elle parle, non? Tu l'aimes l'écouter. Je la prends. Ok, attends, je la prends. Elle essaie d'appeler Langa. Vous savez que les histoires de Ndolo ici en Bengue. Pardon, n'amenez jamais mon histoire avec Choukré. Il y a mon gars. Mon gars m'a dit que quand je dis Choukré, ça le tensionne jusqu'à ce qu'il peut taper l'écran. Qui n'aime pas le mot Choukré? Oui, allô? 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 Oui, je suis occupée, c'est pour ça que je coupe. Ah, ok. Merci. Que la fille appelle, alors la ligne est ouverte. Dès que c'est une, vous me dites, je coupe, je lance encore. Donc, je t'ai dit que les femmes arrêtent. Prends-la, s'il te plaît. Non, elle n'a pas encore appelé. J'attends. J'ai mis le numéro. Le numéro est là, non? Coucou Mafou, comment tu vas? Il n'y a personne qui a appelé. Hein? Est-ce que le numéro là passe même? Ah, peut-être c'est elle ici. Oui, allô? Allô, oui, comment? Oui, ça va? C'est qui? Non, c'est pas nous. Je vais intervenir au fait. Ah, d'accord, ok. La ligne est ouverte, oui. Ok, je vais intervenir, mais désolé, au fait, le gars ramène son sujet, ça n'a rien à voir avec ce que tu as demandé, ok. Mais bon, après, chacun peut, il parle aussi pour sensibiliser, chacun est libre de dire, tant que ça concerne un problème entre une femme et un homme, il a parlé de son histoire, c'était très important que ça passe, c'est pas forcément pour la fille, il est passé par l'affaire de Fingon pour parler de son histoire. Vous dites qu'ici en Europe, il y a des femmes qui ne sont pas sérieuses. Quand elles tombent sur les hommes qui sont sérieux, elles ne veulent pas. Tu vois un peu. C'est juste que ça, c'est réciproque. C'est pas ça, femme ou homme, c'est réciproque. Mais ce que Jésus a dit, c'est qu'il y a des bons, il y a des mauvais. Mais pour avoir le bon ou le mauvais, il faut le bon ou le mauvais, il faut connaître. Parfois, si tu as un homme qui est là, qui n'a pas de papier, tu as peur de le prendre parce que tu te dis, oui, tu vas le prendre. Dès qu'il aura ses papiers, il va partir. Il va te faire la même chose. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que nous, les femmes, on doit éviter de donner l'argent aux hommes. C'est ça qui les monte sur la tête. Le mépris s'installe à ce moment-là. Parce qu'un homme qui aime, qui travaille ou ne travaille pas, il va toujours se dédier à sa
dans la tête des hommes que nous pouvons tous les donner. Et c'est là qu'ils partent s'asseoir quand il n'y a même pas d'amour. Donc, parce que quand un homme vous fait des choses, tu parlais de notre beau frère qui a fait le mariage, qui est descendu au Cameroun avec 750 000. Donc, du coup, lui, c'est que c'est la femme qui l'a fait. Et comme dans sa tête, il sait que ce n'est pas un mariage qui va durer, il n'a pas envie de mettre ses sous. Tu parlais du mariage et de tout. Il n'a pas investi dedans parce que pour lui, il fallait qu'un jour, il va mettre fin à la relation. Il n'a pas d'effort à faire. Donc, ce qui est sûr, c'est que s'il fallait même mettre 5 francs, il allait se débrouiller pour mettre 5 francs. Mais comme ça n'avait pas d'importance pour lui, il n'a pas voulu. Il a mal fait. Il a aussi très mal joué parce qu'on ne fait pas ça. Tu ne fais pas croire à une femme que c'est du sérieux, alors que autant mieux venir rencontrer une femme, tu dis que, pardon, je veux seulement avoir le cas avec toi, aide-moi. Que de mentir que c'est pour l'amour. Les gars, moi, voici aujourd'hui, j'ai mon chaos le fin, je fais quoi avec? Je cherche même quelqu'un qui veut le help avec, que je vais l'aider. Moi, ça va dans le sens du help. Moi, ça va dans le sens du help. Moi, je connais, comme femme, je peux te raconter l'histoire d'une dame qui est là, qui a rencontré. C'est mieux que chacun raconte son histoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent appeler. Pardon? J'ai dit que c'est mieux que chacun raconte son histoire parce qu'il y a la dame qui va appeler. La dame en train d'appeler là. Elle veut parler, d'accord, merci. Mes amours. C'est vrai, la ligne est ouverte, mais chacun est libre de dire ce qu'il veut dire. Allô, Choukré? Allô. Ça va, Chou? Ça va. Oui, ça va, Marine. Quel beau sourire ce matin. Ouais, j'avais un peu mal au cou. Je pense que mon oreiller, j'ai pas très bien dormi. J'ai dormi tout à l'heure. J'étais un peu fatiguée et tout. Il n'y a pas de... Je pense que comme tu es un peu, comme tu, on ne sait pas, tu penses avec quel genre d'énergie. Parce que tu te fatigues difficilement. Je suis sûr. Mais ça promet. Bon, rien que, on revient sur l'affaire du Shingo. Comme on dit toujours que l'histoire de deux personnes qui se sont vues sans caleçon, pour que la troisième personne règle là, il faut que la troisième personne aussi soit sans caleçon. J'ai écouté le live de la fille au moins 15 fois. Dans la fille, il faut avouer quelque chose de très important aussi, c'est qu'une femme ne sort pas avec un homme pour rien. Le gars ne peut pas avoir les kaolos, mais c'est une valeur sûre. Il y a des femmes qui investissent sur les gars parce qu'elles sentent que celui-ci, il ne peut pas merder. Mais par ailleurs, quand une femme, j'ai écouté les titres de la fille, elle a beaucoup plus mis en avant le kaolo, elle a beaucoup plus mis en avant ce qu'elle a investi. Mais elle a oublié de dire qu'elle a menti au gars qu'elle était belge alors qu'elle n'a que la carte de séjour. C'est qu'elle n'a pas éclairé. C'est parce que j'aimerais qu'elle revienne faire le direct, qu'elle poste. Si elle est. Elle n'est pas belge, en fait. Et tu sais très bien que pour calotiser direct, il faut avoir la nationalité. Pour que... Je te laisse t'exprimer, Chou. Je n'ai pas envie de te couper. Je te laisse parler. Non, rien que. Tu sais, ouais, maman, c'est l'amour qui nous fait ça. Bon, je suis en train de dire ceci. Cette histoire doit servir de leçon à tout le monde. Surtout aux femmes qui ont les papiers. Ce n'est pas parce que tu as les papiers que tu vas étaler. Il y a une différence entre eux. J'aide quelqu'un parce que je l'aime et j'aide quelqu'un parce que j'attends quelque chose de lui. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que quand la fille dit, quand il a signé communauté de biens, j'ai dit qu'il m'aime. À partir de là, la femme se condamne. À partir de là, la femme dit que comme il a signé communauté de biens et comme c'est une valeur sûre, moi aussi je vais profiter de ça. Quand une femme a aimé, elle ne parle que d'amour, pas d'argent. Quand une femme dit que j'ai aimé ce gars, elle dit que je me suis conseillé de donner mon cœur, mon âme à ce gars pour qu'il devienne quelque chose. Mais tu ne peux pas dire que tu fais un live. Mes habits, j'ai acheté. Ton mari, tu vois un peu, que ton mari t'a mis dans un mouchon, que ton mari t'a mis dans, que ton mari t'a mis dans une ambulance. Non, on investit avec son mari. C'est ça, je investis. J'aurais aimé que cette femme parle peut-être d'investissement de ceci, de cela. Il faut que les gens comprennent quelque chose. Ils n'ont rien investi à deux. C'était les habits. Elle a acheté les habits et les chaussures. Puisqu'elle dit que quand je partais en Turquie, tu chargé la valise. Tu étais quoi? Tu connaissais ta billet. Donc, ce qui est sûr, je vais seulement dire aux femmes, si c'est aux hommes, une histoire d'amour n'a pas d'intérêt. Parce que le bonheur de l'autre, c'est ton bonheur. Ah oui. Vice versa.
les relations à distance. La nature a horreur du... Même la du vide. Voilà pourquoi il dit qu'on fait tout pour se rapprocher. Faisons tout pour nous rapprocher. Voilà. Parce qu'à distance, là, il y aura tous les rombies. Exactement. C'est là où je dis toujours aux personnes, l'amour, ça se nourrit comme nourrit un corps. Ah, l'amour, oui. Ça se nourrit. À partir du moment où, quand tu dis que tu as aimé un homme et que tu l'as respecté, tu ne peux pas arriver dans les réseaux sociaux, venir l'étaler. Ça veut dire que tu attends que ça tourne mal. Et quand elle étale même, Choukré, je vais t'envoyer le numéro de Fignon, tu vas l'appeler. Parce que vous allez parler ensemble. Tu sais pourquoi? Tu sais, Fignon, c'est un ancien blessé de guerre qui a fait venir une femme de l'Afrique sans papier à l'époque. On a été à Lille ensemble. Et tu vois, papier Longchamp, le petit feu de papier Longchamp, Michel Longchamp a arraché la femme de Fignon avec deux enfants. Voilà un blessé de guerre. La femme le chasse, elle jette ses choses par la fenêtre dans le sac poubelle. Il se retrouve comme ça là, il a les problèmes. Il tombe sur celle-là qui dit qu'elle a les papiers alors qu'elle n'a pas. Son but, quand il tombe dehors, il cherche quoi? Il cherche une femme qui a les papiers, c'est son intérêt. Exactement, exactement. Hein? Et les gens, c'est ça, on est venu se chercher. À partir du moment où tu viens te chercher, le gars te dit que lui n'a rien. Et toi, tu dis que tu es belle. Entre temps, parce que tu sais que le gars est comédien, le gars peut faire X ou Y. Rancœur, regardons les choses en face. Qu'est-ce qui donne la force à Fignon aujourd'hui? Cameroun qui a mis à Fignon. C'est le Cameroun, il y a quoi? C'est quelqu'un comme Fignon qui s'en sort au Cameroun, il peut vivre en bain. Il a besoin du Cameroun pour faire comme toi, Choukré, pour faire les allers et retours. Quand tu viens en bain, c'est 3-4 jours pour résoudre tes points, pour faire tes papiers administratifs, quand tu as tes rendez-vous. Exactement. Et c'est tout. Les gens doivent comprendre quelque chose. Langa, en voulant. J'espère que à force de dire à Fignon qu'il arrête de traîner avec les gars Bassa. J'ai dit à Fignon, Fignon arrête de traîner avec les gars Bassa. Parce que quand Langa pensait qu'elle n'était pas en danger, c'est là où elle était en danger. Entendez? Donc, aujourd'hui. Et Langa vit chez elle avec un homme, alors je te parle, Choukré. Elle vit avec un homme qu'elle a déjà présenté, même sur les réseaux sociaux, là-bas, au debout Instagram. Elle présente, elle embrasse même le gars public. Le gars habite là-bas. Elle a 5 enfants, 4 pères. Elle a 5 enfants, 4 pères. Et c'est Fignon qui a accompagné les enfants à l'école. Il préparait. Il était homme au foyer là-bas. Maman, on a subi tout ça. Oui. Nous, oui.